de cela, quelques mois, précisément le 9 mars 2017, nous étions tous réunis ici dans le cadre du lancement officiel du projet de réduction du gap de connaissances pour l'insertion réussie des jeunes dans la Grand Business ODR financée par la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACDF. Après quelques mois de mise en œuvre de ce projet, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour partager les résultats de recherche issus des activités du projet. Cette connaissance apporte un plus à la planification des programmes de renforcement des capacités des jeunes en agro-business, qui ne prend pas encore en compte la diversité qui existe entre ces jeunes. Nous sommes donc heureux que les travaux de ce projet aient abouti à la proposition de 4 catégories de jeunes. La première catégorie, les non-entrepreneurs indécis, qui ont des compétences entrepreneuriales et en technique de production et transformation, et qui désirent savoir identifier les opportunités d'affaires, élaborer une vision d'entreprise, impulser une organisation et avoir une bonne maîtrise de ces techniques de production et de transformation. La deuxième catégorie, les entrepreneurs tournés vers l'agro-business sans formation agricole, qui, eux, ont des compétences marketing et commerciales et qui souhaiteraient la renforcer. La troisième catégorie, les entrepreneurs tournés vers l'agro-business avec une formation agricole qui ont des compétences managériales et aimeraient en acquérir davantage, notamment sur le leadership, la communication et le management des hommes. Et enfin, la dernière catégorie, les non-entrepreneurs intéressés par l'agro-business ont quant à eux des compétences entrepreneuriales et en termes de production, consommation et souhaiteraient élaborer une vision d'entreprise, impulser une organisation et davantage développer leur termes de production et de consommation. À travers ces nouvelles connaissances et ressources, le futur projet programme d'insertion des jeunes en agro-business développé par les organisations gouvernementales, les organisations de la société civile et j'en passe, devront prendre en compte les impératifs de capacité nécessaires et adaptés aux différentes catégories de jeunes dans les différents secteurs de valeur agricole. Mesdames et messieurs, tout en prenant connaissance des résultats du projet, je vous exhorte en tant qu'acteur en charge du développement du secteur agricole et de l'emploi des jeunes à apporter vos contributions pour une large dissémination de ces résultats. Ainsi, l'acquisition des connaissances serait-elle vaine si elle n'est pas accompagnée d'actions concrètes.